permettre de mieux apprendre la langue et de créer des liens avec une personne de notre âge qui peut habiter très loin de chez nous. Et d'en apprendre plus sur le pays, sur la culture, comme l'a dit Lucie. On connaît beaucoup de personnes dans le pays étranger. Ça peut permettre de mieux apprendre à se connaître soi-même. Et aussi avoir une seconde famille aussi. C'est très différent, mais c'est génial. La relation entre les professeurs et les élèves est différente aussi. Ici, les professeurs et les élèves sont proches, et en France, ils sont assez éloignés. Les journées ici ne durent que de 8h à 15h, alors qu'en France, c'est 8h-18h. Notre matière préférée à Chloé et à moi, c'est le sport qu'il y a ici parce qu'il y a une très grande variété et pour les goûts de toutes les personnes. Moi, j'aime bien les maths. Speech, parce qu'en France, l'apprentissage de l'anglais est différent et ici, je trouve que c'est très instructif et que c'est vraiment efficace. Moi, j'ai bien aimé les séances cinéma dans la salle. Les conseils que je peux donner, c'est si vous faites un échange entre la France et le Mexique et que vous allez en France, profitez vraiment. Et surtout, essayez de prendre le maximum de choses du pays parce que ça peut que nous enrichir forcément nous-mêmes. Merci beaucoup de nous avoir accueillis ici. Si vous pouvez venir en France, on vous accueillera avec plaisir aussi. Bonjour à tout le monde et surtout merci d'accueillir nos élèves et de nous accueillir. Et merci au lycée, aux familles et à nos professeurs aussi. Voilà, donc on est très contents de cet échange, très riche culturellement. Merci beaucoup le lycée Sun Hills de cet accueil et de cet échange. Ça a été vraiment instructif et intéressant. Dire merci à tous. Muchas gracias.